Pour matérialiser le changement voulu par la société gabonaise, le mouvement citoyen Génération du Progrès mise sur l'engagement de la jeunesse. Pour lui, Junior Clemenceau Owanga, son président, l'une des premières étapes de l'engagement attendu par ce mouvement associatif est une participation massive au référendum constitutionnel du 16 novembre prochain. Pour nous, l'enjeu majeur de cette consultation populaire est avant tout le taux de participation. Nous invitons ainsi nos compatriotes à accomplir leur devoir citoyen, à aller voter massivement selon leurs convictions et en ayant comme préoccupation permanente la préservation de l'unité nationale, la cohésion sociale et de notre vivre ensemble. Le moment venu, le mouvement Génération du Progrès, à travers son secrétariat général, donnera sa position dans le respect des dispositions légales organisant le processus référendaire fixé par les autorités compétentes. Pour le parlementaire ivoirien Mamadou Kébé, invité international de cette rencontre, l'engagement citoyen, lorsqu'il est bien mené, est similaire à une mission religieuse. La politique, c'est l'engagement citoyen qui peut amener un homme à aller dans une contrée où il ne connaît personne, ni d'Adam ni d'Ève. Il n'attend rien de ces personnes, ni fortune, ni rien, et poser des actions qui peuvent améliorer les conditions de vie des gens. Entre toi et celui qui prie pour aller au paradis, qui est meilleur, vous êtes pareil parce que vous le faites pour Dieu. Pour susciter l'engagement citoyen des Gabonais de toutes les générations, promouvoir l'autonomisation des jeunes et des femmes et agir pour l'éveil des consciences, le mouvement Génération du Progrès, s'identifiant comme une plateforme d'aide à la décision, compte défendre les aspirations des populations gabonaises à travers le pays et les soumettre aux autorités afin que davantage la voix des jeunes compte.